bon matin. On est samedi le 25 septembre 2021. Ce matin, je viens de m'acheter une shorty de GoPro, c'est une mini bâton. Le gars, j'essaie de filmer avec ce matin. Surtout voir plusieurs choses, dont un, l'audio, il a l'air de quoi. Ça, c'est un de mes problèmes. Ensuite, il y a un mini trépied intégré, fait que je vais l'essayer tantôt. On va voir ce que ça donne. Ce matin, je m'enligne pour une vingtaine de kilos. Là, je suis encore en remise en forme de mon outil acheté. J'ai acheté 80, donc mon 14h30 de course, il m'a rentré dans le corps. Mais j'ai pris une semaine de break. La semaine, j'ai recommencé. Dans deux semaines, j'ai le Bromo 55 km du Bromo Ultra, donc j'avais peut-être pensé, comme je disais dans l'autre vidéo, annuler ma participation, mais finalement, la date limite, c'est le 10 septembre. Fait que tant qu'à annuler, perdre mon inscription, on va l'essayer. Puis, ce qui peut m'arriver, c'est que je DNF. Le mieux, c'est que je le finisse. Je vais faire des updates tantôt. À plus tard. Bye bye. Bon. 6,6 kg. Ça fait 37 minutes que je suis parti. Ça va bien. Je vais relativement relax ce matin. C'est bien. On va te dire un petit peu comment ça marche. Faire le point sur ma fameuse jambe qui m'a fait mal tout l'été. M'a encore mal ce matin. M'a fait mal un peu dans le THC 80, mais m'a pas empêché de faire la course. Puis ce que je remarque, c'est que ça tire présentement. Ça m'empêche pas de courir. Donc, j'ai commencé des exercices pour essayer de renforcer ces muscles-là. Je vois que ça tire aux bonnes places. On va voir ce que ça donne au courant de l'hiver. De toute façon, je vais moins courir à partir de milieu octobre. Donc, ça devrait être pour le mieux. Ceci étant, on va faire les tests. À plus tard. Bye bye. Deuxième essai. Donc, normalement, vous venez de voir ce que j'ai filmé avec mon petit trépied, en espérant que ça sorte pas super. Si vous avez rien vu de ça, ben, c'est parce que ça n'a pas marché. Là, j'étais à 16,5 kg. Ça fait 1h34 que je suis parti. Ça va, c'est bien. Je suis rendu relax. Mais ma jambe est correcte. Ben, correcte. Ça fait mal, mais c'est supportable. Donc, je me dirige tranquillement vers chez moi. On va faire entre 2h15 et 2h30, selon si ça va bien ou pas, ou si j'ai trop de lumière, ou si j'arrête quelque part. Enfin bref, je vais faire un petit débrief tantôt. Sinon, ben, c'est pas mal ça pour l'instant. Fait qu'à plus tard, bye bye. Bon, 2h20, 24,14 km à peu près. C'est bien.
Honnêtement, je faisais 20 kilos le matin, fait que je suis pas mal content. Ma jambe a bien tenu, pas mal tout le long, donc je suis quand même content. Ça faisait mal un peu à la fin, mais c'était correct. Sinon, ben, on va voir ce que ça va donner, là, les vidéos que j'ai faites. J'espère que ça a bien sorti. Là, ben, vous l'avez vu avant que je le voie là, présentement, en tant que vidéo que vous voyez sur YouTube, mais bon. Bref, mon prochain vidéo, ça va être dans 2 semaines. En fait, je fais le Bromont 55, ben, Bromont Ultra 55 km, donc en espérant que ce soit pas une autre vidéo de DNF. Cet été, ça va quand même assez bien. Puis je me sens comme là ce matin, ça va bien. J'ai fait 24 kilos, puis je suis pas à terre du tout. Donc je suis quand même content. La forme revient tranquillement. Et sur ça, ben, je vous souhaite une bonne semaine, bonne course, et attention pour vous blesser. Bye bye!